Cafardino, je vous souhaite à tous de passer une agréable vidéo avec moi. Ceux qui sont pas abonnés, on s'abonne. Et même ceux qui sont abonnés, je vous invite à tous vous désabonner et vous réabonner. Il paraîtrait que YouTube détecterait ça comme un nouvel abonné et vous enverrait les notifications. Donc peut-être que ça réglerait en tout cas ce problème-là. Donc faites-le avec grand plaisir. Je vous réaccueillerai, mes nouveaux abonnés, avec plein d'amour. Road to 80 000, je compte sur vous. On va faire la preview des ESL Pro League avec tout simplement le seul espoir français, c'est G2, car Vitality n'a pas su se qualifier pendant la phase de qualification, tout simplement, pour les playoffs. Il y a du très très lourd, il y a les meilleures équipes du monde. Dans la deuxième partie de la vidéo, on parlera un petit peu pronos et cotes pour ceux qui veulent parier un petit peu. Donc, il faut pas oublier que c'est du BO1, en tout cas pour les premières phases de poule. Et je vais tout simplement rentrer dans le vif de sujet immédiatement avec la première poule. Et c'est Navi contre Tailou, FaZe contre MIBR, Heroic, 100 Thieves, Fnatic, Evil Geniuses. Et pour la deuxième poule, celle des Français, Astralis contre Greyhound, G2 contre Sharks, Mouse Esport contre ATK, North contre Liquid. Maintenant, c'est le petit coin bonus. Je vais vous donner 2-3 petits, tips. Et pour ceux qui veulent, qui en veulent plus, il va falloir venir me follow sur Twitter et Instagram. Tout est gratuit, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est juste que YouTube aime pas trop ce genre de choses. Donc, je préfère le faire en privé et tout simplement interagir avec vous le plus facilement possible. Donc, on a pour un premier match, on a FaZe MIBR. On peut voir que la cote d'MIBR est à 2,35. Tout est totalement incompréhensif pour moi. Parce que c'est du BO1. MIBR peut très facilement battre FaZe. Donc là, pour le coup, il y a vraiment un truc à tenter. Et derrière, on a Navi contre Tailou. 3,27 pour Tailou. Alors qu'ils ont fait une prestation tout simplement phénoménale il y a 2 semaines aux Asian Championships. Ils ont montré un niveau de jeu exceptionnel. Navi est en très grosse perte de vitesse. Il n'y a rien qui va dans cette équipe depuis plusieurs semaines. Enfin, depuis le kick de Zeus, etc. L'arrivée de Guardian et tout. L'équipe a du mal un petit peu avec le setup double sniper. On ne sait plus quelle est l'identité de cette équipe. Et donc, pour le coup, il y a une grosse perte de vitesse d'un côté. On a Tailou qui a un regain un petit peu de confiance avec leur bonne performance. Et c'est du BO1, je le rappelle. À tout moment, ça tombe sur Inferno. Ou sur train et les Chinois peuvent clairement faire un petit upset. Et allez, le dernier, ça sera Fnatic et Evil Geniuses. Donc là, on a deux cotes plutôt similaires parce que pour moi, c'est clairement un match 50-50. Mais il faut pas oublier que c'est du BO1 et que pour moi, Fnatic a ma poule, en tout cas moins profond que celui d'Evil Geniuses. Mais ils ont des maps où ils sont pour moi un petit peu plus au-dessus, notamment Inferno ou Mirage par exemple. Donc là, BO1, faut tenter un petit peu aussi un 95. Voilà. Pour tout le reste, les gars, malheureusement, voilà, j'en dirai pas plus. Ceux qui veulent me suivre sur Twitter et Instagram, n'hésitez surtout pas, c'est dans la description. Et j'espère que vous avez apprécié ce contenu. Ceux qui ne sont pas abonnés, je le répète encore, abonnez-vous. Et si vous avez aimé ça, il y aura des vidéos résumées de toutes les journées, on va dire, des ESL Pro League. Donc, soyez sûr d'activer les notifications ou passez un petit peu dans la semaine sur ma chaîne parce que je ferai les vidéos d'actualité. Ciao les mecs.